Bonjour à tous les chasseurs, Maxime Dubé, chroniqueur pour la revue 100% Chasse et Pêche. Donc, je vous fais juste une petite vidéo rapidement pour donner un peu l'information de ce que la saison là, 2023 aura l'air là, pour cet automne. Donc, à date, avec mes observations sur le terrain, là, ça va relativement très bien. On a beaucoup de chevreuils de 2 ans, principalement, là, je parle des bocs, de 2 ans. On a une bonne proportion de 3 ans et plus là, qu'on voit aussi là, avec des beaux panaches. Les spikes sont là également. Il reste les présences des veaux là, à confirmer. Je suis encore dans une période là, où ce que les veaux bougent peu, mais ça va venir là, bien assez vite. Fait qu'on a... Le constat est le même pour tous les territoires. Moi, présentement, je suis dans un terrain où il y a une forte migration du chevreuil vers le sud, vu le peu d'habitat propice là, pour les ravages. Donc, si c'est bien dans mon secteur, dans les secteurs qui sont comme plus au sud, plus à l'ouest, au nord-ouest, ça risque d'être encore, là, les conditions risquent d'être encore meilleures, justement parce que les chevreuils l'ont plus facile là, que ceux qui ont migré là, l'automne passé. Donc, là, c'est juste une belle saison là, qui s'annonce et j'ai bien hâte de voir là, les panaches là, qui vont sortir là, cette année. Sur ce, bonne chasse!